Coco. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Madame, monsieur vient de piquer une crise et j'étais en train de lui faire du bouche à bouche pour le réanimer. Quoi, une crise? Oui, madame. Mais qu'est-ce que vous attendez? Appelez vite une ambulance, dépêchez-vous. D'accord, madame. Coco. Coco. Chérie. Chérie, c'est moi. Coco. 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 Coco, ne me fais pas ça. Madame, le numéro ne passe pas. Appelez le chauffeur. Nous en prie, qu'il nous amène à l'hôpital. Coco. 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 Coco, c'est moi. Coco, regarde-moi. Coco, tu me vois pas? Coco. Coco, parle-moi. Coco, tu me vois pas? Coco. Oh, Seigneur, secours. Venez, oh. Venez. Aidez-moi. Oh, Coco. Coco. Coco, aide-moi. Seigneur, maman. Ça va aller. Tenez bon. Non. Ah, ce monsieur, c'est un véritable comédien. Sauve mon mari. Oh, mon Dieu, je t'en prie. Seigneur, je t'en supplie. Oh mon Dieu, je t'en prie. Ne vous en faites pas, madame. Le bon, c'est un homme solide. Il va s'en sortir. Bon, monsieur Coco, apparemment, votre tension est normale. Et votre poule aussi bat un rythme régulier. Et je ne vois pas où se trouve le problème. Dans tous les cas, je vais vous mettre en observation pendant 24 heures pour en savoir plus. Docteur, c'est bizarre, mais je me sens subitement bien. Tiens donc. Je pense qu'on n'aurait pas à me garder. Ok, je vais vous libérer. D'accord, docteur. Mais je vais vous prescrire de quoi vous maintenir en forme. Ah, d'accord. Pour éviter ce genre de désagrément. D'accord? Merci, docteur. Docteur, je vous en prie, monsieur Coucou. Je peux vous dire quelque chose? Allez-y. Vous êtes très belle. Merci, monsieur Coucou.